Au Sénégal, la filière mangue est en pole position dans le secteur de l'exportation. De moins de 11 000 tonnes les années précédentes, le Sénégal a pu exporter 15 000 tonnes de mangue vers l'Union européenne cette année. Elle permet au pays d'avoir des devises. Par exemple, en 2014, le Sénégal a pu gagner environ 10 milliards de francs CFA. Un acquis que les acteurs comptent améliorer grâce aux potentialités du pays en la matière. De mangue qui est produite au Sénégal, actuellement il y a deux principales variétés qui sont exportées. Et sur ces deux variétés, il y a beaucoup de choses à faire. Actuellement, la plupart des exportations viennent de la zone des Niayes. Alors que dans le sud du Sénégal, on a le plus grand bassin de production. Et cette région contribue actuellement à autour de 4% des exportations. Donc en renforçant les capacités des producteurs à respecter les exigences des marchés d'exportation, on pourra considérablement augmenter les volumes d'exportation sénégalaise de mangue. Pour parvenir à ce résultat, il faudra lever certaines contraintes liées au développement de la filière. Il s'agit du prix excessif de la mangue à l'achat, le financement, entre autres. Un conteneur de mangue coûte, avant de le boucler et de le mettre sur place, coûte 8 millions à 9 millions de francs au Sénégal. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, un chiffre, je compare les deux, en Côte d'Ivoire, un conteneur de mangue pour le boucler, c'est 5 millions de francs. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même une grosse différence. L'autre facteur bloquant, il y a les financements. Il y a aussi le manque d'infrastructures qui joue. Le manque d'infrastructures, les pistes de production qui n'existent pas. Le financement qui fait défaut. Et là, ce qu'il faudrait dire, il faut que les banquiers sachent que la filière horticole, la filière des mangues, est une filière où on peut gagner beaucoup d'argent. C'est une filière rentable. Qu'il faut soutenir parce qu'il y a de l'argent à gagner comme dans les autres filières. C'est depuis 2003 que le Sénégal a commencé à exporter la mangue. En plus de l'Europe, la mangue sénégalaise est aussi vendue au Maroc et en Arabie Saoudite. Le pays compte plus de 25 000 producteurs de mangue. C'est pour dire qu'au-delà de son apport économique, la filière mangue est pourvoyeuse d'emplois.